Quelqu'un se présente chez vous comme un employé du gaz venu faire des vérifications techniques. Quelle attitude adoptez-vous ? Je lui dis de monter et après je regarde s'il est bien employé du gaz, s'il a la tenue, tout ça, et qu'il monte des papiers. Voilà. Mais en général, on a une gardienne, donc c'est différent. En général, on est au courant avant, donc voilà. On n'ouvre pas. On ne prend pas. On ne prend pas. Je n'ouvre pas. Non, moi non plus. Mais justement, j'ai entendu qu'il faudrait faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'abus, surtout chez les vieilles personnes. La porte. Oh, si je ne le connais pas, oui. Théoriquement, il doit avoir au moins une carte professionnelle, ça non suffit. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des faux. Donc, il faut avoir été prévenu avant par l'EDF. On reçoit les papiers suffisamment, donc c'est la porte. Selon vous, quel est le rôle de votre gardien en matière de sécurité ? Justement, c'est de s'assurer que les personnes, que seules les personnes qui ont le droit de rentrer dans l'immeuble rentrent dans l'immeuble. Donc on est toujours informé, voilà, quand c'est GDF, EDF. C'est vraiment d'être vigilant sur tous ces points-là, justement. Je pense que ça ne viendrait pas à l'idée de l'incriminer, elle n'en a pas. Sauf, vraiment. Ah si elle voyait, je ne sais pas quoi. Non, elle n'a pas de rôle dans ce domaine. Pas énorme, elle n'est pas toujours derrière à surveiller. Hein. Bon, il faut qu'on organise notre sécurité autrement, en dehors d'elle. Elle ne peut pas être responsable toute la journée. Pas possible. C'est de vérifier les allées et venues, mais ça dépend. Moi, j'habite dans un endroit où il y a 3 immeubles, elle ne peut rien vérifier. Enfin, écoute, elle est là, mais... Je trouve assez efficace. Il filtre les entrées, parce que j'habite dans une rue commerçante, où il y a un magasin juste en bas de l'immeuble, ce qui provoque du trafic. Et il est assez présent, assez régulièrement, et il demande souvent pourquoi il y a des gens qui n'auraient rien à y faire dans le hall. C'est lui le premier filtre. Hein. C'est tout. C'est le gardien qui est le premier filtre. Puis après, bon... Il n'a pas à prendre toutes les décisions, mais c'est le premier filtre. Et ce genre de choses-là, c'est son boulot. Hein. D'ici un an, tous les appartements devront être équipés de détecteurs de fumée. Avez-vous déjà installé un appareil chez vous ? Je crois pas, non. Mais après, je ne sais pas si c'est à la charge du locataire ou propriétaire, mais je ne sais pas du tout. Non, mais on est pour. Sauf l'ennui, pour détecteur de fumée, il faut pratiquement, quand on est absent, laisser une ouverture. Les gens ne savent pas beaucoup. Ben oui, pour que la fumée sorte. On a pas mal d'air chez nous, c'est pour ça d'ailleurs, là-bas. Oui, et je trouve ça très bien. Oui, moi j'en ai un. Non, j'en ai pas. Ouais, mais enfin, qui va le vérifier, ça ? Donc vous en avez chez vous à l'heure actuelle ? Moi j'en ai eu, mais je l'ai enlevé parce que c'est insupportable. Parce que le seul endroit où ça a raison d'être, c'est dans la cuisine. Et dans la cuisine, comme on fait de la cuisine, ça se déclenche. Donc c'est un peu une idée en l'air, ça. Considérez-vous que votre immeuble est suffisamment sécurisé ? Oui, parce que j'ai une gardienne qui est exceptionnelle. Je pense, on est très vigilants, je fais partie du conseil syndical, et je pense que c'est une question qui revient à l'ordre du jour à chaque réunion. Oui. Pas forcément, par les temps qui courent, je dirais non. Non, il y a des chicones, mais les serrures sont très vieux. Oui. Déjà parce que c'est un petit immeuble, que je suis en bas, que donc il n'y a pas de souci, en cas de feu je pourrais toujours sortir. Oui, mais ça évite pas que des personnes rentrent pour se faire cambrioler, parce qu'il y en a énormément à Paris et j'en ai su il n'y en a pas très longtemps dans le quartier, et donc c'est assez courant. Donc malgré les multiples sécurités, on peut... Écoutez, le même immeuble peut-être dans le 16e arrondissement serait sûrement très sécurisé, étant donné la police le cadre. Maintenant, habitant mairie de Saint-Ouen, on va dire que je pense qu'il aurait 2 ou 3 digicodes en plus. Ce serait pas si mal. Avez-vous autorisé par un vote en Assemblée Générale les forces de police à pénétrer dans les parties communes de votre immeuble ? Je sais pas. Non, c'est pas souvenir, on l'a peut-être oublié. Non, pas souvenir. Je crois pas, je ne me souviens pas avoir voté ça. Moi non plus. Très honnêtement, je ne sais pas.